Salut tout le monde, c'est Ramka, comment allez-vous? Moi ça va super. Nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau produit. Comme vous savez, je fais des lives sur Twitch et là j'ai acheté un produit qui va m'être drôlement utile. Je pense que tu le sais déjà si tu as vu la miniature. En tout cas, avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher le plus beau des pouces bleus. Et si vraiment t'es chaud, mais je suis sûr que t'es quelqu'un de chaud, tu me mets un commentaire. Allez, regarde ce que j'ai acheté. Bam! Et ouais, le G29 de chez Logitech. Et dans cette vidéo, je pose, dans cette vidéo, tu vas voir non plus ni moins l'unboxing, mais aussi un petit test vite fait que je te dise vraiment ce que j'en pense. Alors, pourquoi j'ai pris ce volant? On est en 2021, il y a énormément de volants qui existent pour jouer aux jeux de voiture, que ce soit F1 2020 ou d'autres jeux. Je voulais un volant beau. Et qui est quand même pas mal d'atouts avec trois pédales aussi et qu'on puisse remettre aussi de l'accessoire. Malheureusement, on ne peut pas changer la roue dessus, mais je trouve déjà la roue qu'il y a déjà avec vraiment sympa. J'avais un volant qui n'avait pas de retour de force, celui-ci a un retour de force, donc pour s'améliorer et pour pouvoir prendre du plaisir, je pense que là, on est au summum de la force du volant et tout. Certes, c'est pas le même que Monsieur le Bouzeux, mais là, on est quelque chose de propre et franchement, ça peut être au top du top. Donc j'avais le choix entre celui-ci ou un TMX Pro de chez TrueMaster. Mais quand j'ai vu celui-ci déballé en magasin, je l'ai trouvé beau. Et j'ai dit allez, Logitech, valeur sûre, je prends. Et l'autre je le trouvais déjà un petit peu moins beau. Donc je dis allez, je pars sur celui-ci. Donc on va tester, vous allez voir ce que j'en pense dans cette vidéo. A tout de suite. Alors on y est, c'est parti, unboxing donc du volant. Donc bien sûr, hein, il est là. Il est bien scotché les gars, il est pas ouvert, il est tout neuf celui-ci. On va l'ouvrir. Alors je l'ai eu à un super prix les frérots, j'ai eu un super prix dessus. Je l'ai eu à 200 €. Je l'ai eu à 200 €, ça me fait plaisir. Donc on va voir ce que ça vaut. On va le déballer ensemble. En tout cas, si tu veux te lancer tranquillement et que t'as pas un budget énorme, on va dire 200-250 € sur un volant, tu veux un retour de force. On va voir si moi je te le conseille ou pas. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup cherché, mais franchement, te prends pas la tête. Soit tu prends un TMX, le TMX Pro, qui est à 249, soit tu prends le Logitech. En tout cas, niveau design, le Logitech est beaucoup plus beau. Je te le dis directement, le Logitech est vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus beau. Après, c'est trois pédales. L'autre, il a un T3PA. Celui-là, ce n'est pas un T3PA, mais il a trois pédales aussi. Et ça, c'est important aussi. Ne prends pas le pédalier en plastique, c'est ce que j'avais. C'est bien pour s'amuser une fois de temps en temps. Mais si tu comptes passer un petit peu d'heures sur ton jeu, je ne te le conseille pas. Allez. L'entretien, les papiers, on s'en bat les steaks. Ah, ok. Bon, déjà, ça commence mal. Là, il me fait une pub direct. Dès que j'ouvre, je vois ça. Dès que j'ouvre, je vois ça. Non, mais les gars, me forcez déjà pas la main quand même. Me forcez déjà pas. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Mais il me faut... Oh, il y en a des... Oh, il y en a des plus... Oh, ouh. Oh la vache. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. Dire que j'en avais un à l'ancienne que j'ai vendu. Alors on commence tout de suite avec, bien entendu, il faut l'alimenter. Prise électrique. Prise électrique. Et qu'est-ce qu'on a là? L'alimentation. Donc là, on a toute notre belle alimentation. Alors là, devant les yeux, j'ai le choix, mais je pense que le premier qui va sortir, ça sera ce beau pédalier. Si j'y arrive. Ok. Petit pédalier. Il est lourd. Ah. Ah ouais. Ah oui, ok, c'est système de vérin. Ok. Donc je sais que par contre, niveau frein, il est vraiment bien celui-ci pour jauger le freinage. Il est beau, hein ? Il est quand même vraiment beau. Alors... Ah ouais ! Vraiment pas mal. Superbe... superbe pédale, donc on peut venir visser en dessous, bien entendu. Là, il a l'air d'avoir un petit système de... De grippe, je ne sais pas trop ce que c'est, je regarderai sur les vidéos à quoi ceci peut bien servir.
Mais on est pas mal du tout les frérots. Pas mal. Donc le petit Logitech G29. Donc là le pédalier qui est sorti. Maintenant on va passer au volant. Il n'y a rien d'autre hein, là-dedans. Là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système de fixation pour le mettre sur un bureau. On va le déballer, on verra. Ah ouais, c'est ça le système. Ok, si. Donc il y avait un système de fixation. Donc en dessous, bien rangé, le câble USB. Ah ouais, franchement, il a vraiment de la gueule. Il a vraiment une superbe gueule. Il est super beau. Il est vraiment cool. Ok, ouais, ça, franchement. Ok, donc ça, c'est le système de fixation. Donc, petit système de fixation tout simple. Tu viens, tu dévisses, tu glisses ton bureau en dessous. Et on n'en parle plus. J'espère qu'il se dévisse beaucoup parce que j'ai un plan de travail. Oui, là, je serais bon. Super. Eh ben, vraiment super. Il est super beau. On va tout de suite passer à l'installation maintenant. Le mettre en place et je vais vous montrer ça et on va regarder ensemble et on va l'allumer ensemble. Alors, je tenais à revenir sur quelque chose. Ici, comme vous voyez, vous pouvez installer un levier de vitesse qui viendra se brancher juste en dessous. Et c'est vrai que pour les câbles, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit passé vraiment propre. Et ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment sympa. Et oui, donc là, vous pouvez venir brancher un levier de vitesse. Ici, il y aura le branchement des pédales et l'alimentation. Alors on se retrouve sur l'application G-Hub où tu vas pouvoir venir paramétrer ton volant, donc que ça soit touche, le volant, donc la sensibilité, la plage de fonctionnement, donc c'est-à-dire, moi je ne le savais pas mais j'ai trouvé, donc c'est-à-dire la rotation de ton volant, d'accord ? Donc 360 c'est ce qu'il faut pour du F1, sensibilité, bon moi je me suis mis à 90 mais peut-être que je le modifierai par la suite. Après ici la sensibilité des pédales comme vous pouvez voir là, si j'appuie sur le frein on voit ici que ça monte et là donc je peux régler la sensibilité, donc moi je l'ai réglé autrement, donc là si j'appuie vraiment à fond sachant que la pédale est dure, là, j'arrive en haut, là c'est l'accélérateur, après j'ai laissé à peu près comme c'était d'origine. Allez, on va tout de suite aller sur F1 2020 et on va tester. J'ai que ce jeu de voiture sur mon PC que je joue, donc on va tester. Allez, donc on se retrouve sur la course Australie. C'est une petite course que j'ai lancée comme ça pour le plaisir, les amis. C'est pour vous montrer un petit peu leur ressenti du volant et moi ce que j'en pense. Est-ce que vous aussi, vous êtes toujours à laisser des plastiques comme ça de protection sur des objets jusqu'à temps que vraiment ils commencent à s'enlever, que ça fasse dégueulasse et là tu l'enlèves? Oui. Allez, on va prendre la piste, petit départ relancé. C'est parti. Bon, je suis pas un pilote expert, hein, je vous le dis, mais... Voilà, ça c'est de la sensation dans le volant. Donc franchement, il y a du ressenti. Bah après, on roule vraiment, voilà, on a plus de 300 km/h. Donc le volant, ce qui est bien, c'est que, bah, comme dans la vraie vie, hein, je pense, ça se durcit quand même. Et là, il y a du mouvement dans les pieds, dans les bras. Parce que dans les pieds, il n'y a pas de vibration. Ah, franchement, bah, je pilote beaucoup mieux avec le volant là qu'avec l'autre volant. Donc j'ai aucune aide, hein, bien entendu. Les puristes diront, ouais, tu joues avec toutes les aides. Non, non, je joue sans aide. Superbe course en plus. Eh, Mani, franchement, il est génial. Il est vraiment génial. Alors là-dessus, vraiment, le ressenti que j'ai, franchement, à chaud. Vous voulez vous lancer dans des jeux de voiture, vous faire plaisir avec un volant, aussi bien sur un bureau que sur un playset. Là, franchement, je suis conquis, je suis content.
Après, peut-être qu'il y en a qui diront que les sensations, c'est peut-être pas le mieux au niveau des ressentis. Mais moi, là, franchement, la voiture a commencé à chasser. Le volant a mis un coup à gauche, un coup à droite. C'était à moi de le tenir, à essayer de remettre mon volant droit. Franchement, pour moi, c'est peut-être un peu fort niveau vibration et sensation. Je pense que, bah, on va pas comparer non plus avec une vraie voiture. Mais je pense que c'est assez fort. Ça tire quand même dans les bras. Je pense que si on peut réduire un tout petit peu la vibration et la force du volant, ça peut être très sympa. Mais en tout cas, là, franchement, pour passer des bons moments, là j'ai envie de continuer tellement que c'était bien. Il est génial et je vous le conseille. Vous pouvez l'avoir en promo entre 200 et 250 euros. Sinon, il coûte 299 euros. Et si vous cherchez bien, vous aurez peut-être même le levier de vitesse compris dans le pack. Au niveau des pédales, au top du top, rien à dire. Accès pour le dosage, c'est parfait. C'est pour ça que franchement je vous le conseille et moi j'en suis super content. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui grâce à eux j'ai pu quand même acheter ça et qui me donnent la force de continuer à faire ce que je fais même si c'est compliqué car il y a beaucoup de monde sur le marché du streaming et sur YouTube. Moi je continue à faire ma passion, faire ce que j'aime et je continuerai à vous montrer ce que j'aime faire et je serai toujours là à vous donner la joie que j'ai et la bonne humeur. Je vous la transmettrai toujours autant que je peux. Ça me fait plaisir de ouf les frérots. En tout cas, je vous le dis clairement, c'est dingue. Tout ce qu'on peut faire maintenant avec internet et tout, le stream, c'est le top. YouTube, c'est super. Même si c'est très compliqué, il y a énormément de monde. Mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est pour ça que je vous demande un gros pouce bleu sur cette vidéo les frérots. Et on s'abonne en masse. Bientôt les 2000 abos, ça ferait plaisir de dingue. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit très bientôt. Ciao les potes.